OK, on se retrouve pour un autre tutoriel de mission. DMZ, saison 4, faction Black Moose, niveau 3, dilemme du chercheur. Première étape. Retrouvez les notes de la chercheuse dans le bureau vétérinaire du zoo de Vondel. C'est une zone verrouillée, vous aurez donc besoin de la clé du vétérinaire pour accéder à son bureau et voler les notes qui se trouvent au fond de la pièce. Il y a du loot aussi, ça vaut la peine. Une fois qu'on a ces notes, on fait l'étape 2. On fonce à l'église qui est dans le secteur C3, c'est tout près du château. On dépose les notes du vétérinaire et on ramasse les fausses notes et on passe à l'étape 3. On va livrer ça à nouveau dans son bureau de travail qui est dans le building qui est à la limite des secteurs D7 et D8 dans le zoo de Vondel. On est tombé sur un inconnu lors de la première partie et c'est là qu'on voit que c'est important de le faire en un seul déploiement. Puisque l'inconnu avait ramassé les notes, malheureusement, ça nous a pas donné le crochet à Ogik et moi. On a donc dû recommencer pour compléter la mission. Vous verrez la partie 1 et la partie 2 pour voir toutes les étapes et même je vous les montre dans l'ordre afin de faciliter le tout. Mais comme on l'a mentionné, avant de débuter votre mission, assurez-vous de vous équiper de la clé du vétérinaire. C'est essentiel, sinon vous ne pouvez pas accéder au bureau et saisir les documents. C'est ouvert. 1-1, l'activité augmente dans la zone. Ouvrez l'œil. Il y a des ouvriers. Oui. J'en ai tué un, ma grenade. 1-1, l'opérateur proche de okay. Vous a besoin de ça. C'est bon signe, c'est bon signe. On va le prendre. Ouais, le nom de quoi faire mission, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? C'est reparti. Il les a pris, les documents. Ah d'arnaque. Non, mais on va le faire avec lui. C'est sûrement ça qu'il veut faire. Je me dirige par là. Il a-tu monté? Ouais, il a monté. En veux-tu une bonne? C'est comme si on faisait pas la mission, nous autres. T'as-tu vu ça? Ouais, j'ai vu. Tabarnak. Parce qu'il avait commencé avant nous, genre. Ça doit. Est-ce qu'on est trop fin? On le kick de l'équipe, puis. Là, moi, j'ai repris les fausses notes, ça sert à rien, je pense. Mais non, mais là. Enfin, je m'attends. Ok, déposez les fausses notes. Ici. J'ai déposé les notes. Ben ouais. On n'a pas la première. Il nous manque la première étape. Ouais. Ogik et moi avons donc décidé de s'exfiltrer et de recommencer une partie sans prendre d'inconnus avec nous cette fois-ci. Et de faire les étapes dans le bon ordre pour vous montrer la bonne marche à suivre. Alors on fonce au bureau du vétérinaire, secteur D8. On a notre clé, on va déverrouiller tout ça. Heureusement, on arrive les premiers, donc on est assuré d'ouvrir le local tranquillement et d'avoir les notes de disponible sur le bureau du fond. On va donc saisir les notes de recherche sur le gaz de Vondel que la vétérinaire a écrites. On saisit ça et on s'en va les échanger avec les fausses notes qui sont présentes dans l'église au secteur C3 en haut à gauche. Une fois qu'on fait l'échange, ensuite on retourne au bureau du vétérinaire pour déposer les fausses notes. Dans un monde parfait, ça aurait été ça les étapes à suivre. Nous, on a été chanceux, nos crochets se sont conservés, on a pu avoir notre logo de mission réussie. Mais j'avais peur qu'on se ramasse dans une espèce de gros bug. Finalement, ça finit bien, mais voici les bonnes étapes dans le bon ordre. C'est comme ça qu'on procède pour faire cette mission-là. C'est suggéré d'avoir un partner avec vous, mais en solo, j'aurais tendance à dire que ça peut être faisable si vous croisez pas trop d'humains, pas trop de résistance. À notre deuxième game, on n'en a pas eu beaucoup. Ouais. Je suis pas pressé de la faire cette vidéo-là. Bon, good.